Hello les gamers, les gamers, c'est Yonix. Alors, désolé si vous entendez des personnes à fond. Ça, c'est une vidéo que j'étais en train de regarder de Monsieur Levé 12 qui avait sorti une vidéo de zombies. Bon, oui, je vais vous avouer que dès que j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait un titre. Pourquoi pas faire du zombie? Depuis un certain temps, j'en ai pas présenté sur ma chaîne et surtout pas sur Call of the Dead. Call of the Dead, oui, bien sûr. Call of the Dead. Alors, je voulais vous demander si ça vous ferait plaisir une petite série sur Call of the Dead. Je regardais s'il n'y a pas. Parce que. Je vais vous avouer que. Ouais. Bon, il y a la 4, y a la 5 à 2. J'espère trouver sur l'accueil. Parce que. Aussi là, je serai obligé de la faire tout seul. Et moi, tout seul sur le zombie. Ça risque de faire titre. Voilà, alors il faudrait que. J'espère qu'ils vont m'être prêts. Ouais. Bon. Oui, alors cette vidéo, c'est pas que pour parler de Magali, je sais pas quoi. Oui, bon, je sais, là, je dis un peu n'importe quoi. Mais cette vidéo, c'est pas que pour parler de la vidéo elle-même. C'est surtout pour parler de mes 400 abonnés. Oui, je suis arrivé à 400 abonnés. Bon, sûrement, après ma vidéo, j'en serai un peu plus d'abonnés. Du coup, mais je crois que je vais faire du solo. C'est pas grave, on va faire du. Il y a quoi, quoi? Call of the Dead, ouais. Ouais, bon, on va faire du kilo. Dead. Voilà. Alors, je veux dire merci à mes 400 abonnés parce que ça fait un certain temps que je fais des vidéos, ça fait un certain temps que on va dire, j'ai le commentary qui est bon, j'ai à peu près tout ce qui est bon sur ma chaîne. Bon, c'est vrai que j'ai un peu foiré sur le son depuis ma dernière vidéo. Et en fait, désolé si j'ai le nez bouché parce que j'ai la crève. J'ai la crève, du coup, je parle pas comme d'habitude. Désolé pour ça. Par contre, la dernière fois que j'ai joué sur cette map, c'est chez on va dire, mon beau-frère. Enfin, pas vraiment mon beau-frère, le frère à mon beau-frère, voilà. Mon petite dédicace à lui, c'est un gars qui est très sympathique. Et puis voilà. Alors, mes 400 abonnés, c'est quand même énorme. 400 abonnés pour moi, ça sera pas le plus grand truc que j'aurai. Moi, bien sûr, ce que j'attends le plus impatiemment, c'est mes 1000 abonnés. Mais bon, j'ai encore du temps pour ça. 1000 abonnés, c'est pas à la portée de tout le monde, surtout pas à moi. Enfin, j'espère que j'y arriverai un jour. Puisque je suis bien arrivé à 400 abonnés, ça veut dire pratiquement à la moitié des 1000 abonnés. Donc, je risque de les avoir avant l'année prochaine, je l'espère. Et puis, de toute façon, cette année, on n'est qu'à la moitié en fait de mon aventure YouTube. Je l'avais pas vu. J'ai commencé ma vidéo, enfin ma chaîne il y a 6 mois. Pas 6 ans, hein. Il y a 6 mois, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Bon, c'est sûr que j'avais pas la qualité qu'il y a maintenant. Je faisais des vidéos soi-disant, on va dire, pas très, très bonnes. Même très mauvaise qualité, que ça soit son ou commentary. J'avais tout à mauvais. Là, j'espère que les vidéos vous plaît. Surtout aux nouveaux abonnés là qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez rester et que vous allez vous amuser sur ma chaîne. Moi, je présente surtout des trucs marrants. Enfin, pas vraiment marrants, mais on va dire pour se divertir. Voilà, c'est une chaîne divertissante. J'espère que vous allez bien l'aimer. Et j'espère que vous allez rester un certain temps. Parce que ma chaîne. Je trouve qu'elle présente assez de bonnes choses. Après, c'est à vous d'en décider. J'espère que vous alliez rester un certain temps. Au moins jusqu'à que je ferme ma chaîne. Oh, mais bon, ça sera pas aujourd'hui. Ça sera juste quand quoi dire. On va dire, ouais, dès que j'aurai baissé les bras. Voilà. Mais bon, là, je les baisse bras. Je ne fais que les monter. De toute façon, là, il faudrait que je. Ouais, il faudrait que j'ouvre la porte. Après, oui. Désolé si je me mouche de temps en temps dans la vidéo. Parce que, alors là. Si je me mouche pas, je crois que.
Inondation. Ah, par contre, là, j'ai le ligne qui me gratte. Ah, ça, c'est pas le bon moment. Là, on a plein de vidéos en plus. Et en plein zombie. Et le zombie, il vaut mieux se concentrer que se gratter le nez. Voilà. Après, je sais pas trop quoi faire pour 400 abonnés, je vous l'avoue. Parce que c'est arrivé tellement vite que je n'ai pas pu faire vraiment de spécial abonné. Même si j'aurais bien voulu. Faudrait que je fasse un best-of. Ah mais c'est sans abonnés, mais le problème c'est que voilà, ça prend du temps et il faudrait que je reprenne une par une mes vidéos, donc ça risque de prendre beaucoup de temps entre le téléchargement qu'il y a sur YouTube à mon ordinateur parce que j'ai supprimé toutes les vidéos parce que ça prend de la place sur mon ordinateur, pas pour rien mais ça prend de la place et c'est pour ça que je les ai supprimés. Là je vais essayer de tenir un peu sur cette salle et après, dites-moi, proposez-moi ce qui vous plairait pour la spéciale 400 abonnés. Moi, ça me dérange pas. Je vous dis, je peux faire tout ce que vous voulez. Mais après les concours, voilà, c'est vu et revu. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme concours GFX? Là, ça serait beaucoup plus intéressant parce que quand même, je me suis quand même pas mal amélioré depuis mon début YouTube. Après mes nouveaux abonnés, ne critiquez pas ma première intro que j'ai eue sur ma chaîne YouTube. Parce que enfin, j'ai vu un commentaire sur une de mes premières intros que j'avais chopé sur un site internet. Bon, je vous l'avoue, c'est peut-être pas très joli. Mais voilà, à l'époque, pour vous dire, je m'en foutais un peu. Ben là, c'est vrai que le design, je me le fais moi-même. Je fais essayer, j'essaye quoi de faire un design assez bien. Bon, j'avoue, le background, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est GFX, un pote à moi, GFX. Je ne peux pas lui demander qu'il vous fasse des logos et tout ça parce que il faut aller le voir. Il est dans la description normalement. Le load, de toute façon, vous l'avez sur mon background lui-même. C'est à lui de voir s'il veut vous le faire. S'il veut pas, eh ben moi je peux rien faire pour contre pour qu'il vous le fasse quoi. Après, vous savez, moi mon logo que j'ai fait là à présent, je risque de le changer. Le design juste parce que là je trouve que le logo à lui-même il est très beau. Mais le problème c'est que ce que je trouve nul, c'est par contre le fond. Ouais, le fond, j'ai pas réussi à trouver le fond qui pourrait aller. Alors donc je le cherche toujours et j'espère le trouver. Ouais. Par contre là, comme on est sur Black Ops 1, je vais vous dire, c'est beaucoup plus difficile pour moi avec les chiens parce que faut que vous sachiez que comme je joue plus trop sur aucun Call of, surtout un zombie, je sais pas pourquoi. Je vous l'avoue, j'ai toujours été fan des zombies, ça a été toujours un grand cœur pour moi. Ça a toujours été un truc que j'ai toujours adoré. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de. Qu'on va dire. Attends des 3 secondes, je regarde la chasse sale, ça doit être celle-là. Ouais, celle-là. Ouais, je regarde un peu pour ma boîte. Voilà, elle doit être là. Voilà, c'est celle-là. Je prends une boîte et après je m'en vais parce qu'ici c'est, comme je l'appelle, le coin de la mort. Si vous restez là trop longtemps et comme quand j'ai changé mon arme et que c'est une pas très mauvaise, là. Alors ce que je vais faire, il faudrait que je me fasse de l'argent, putain. Et j'ai plus d'argent pour m'acheter d'armes. Là, je me cassais vite fait. Allez, putain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouf, il y a une bombe. Désolé si je parlais pas pendant quelques secondes, j'avais peur de perdre. Je me ramasse vite fait une putain de boîte. Vite. Ouh, Galil! Vite. Allez, on sprint jusqu'à là-bas. Après, je vais me faire une petite. Quoi ça s'appelle?
Ouais, petit basto. Bon, alors qu'est-ce que je disais, ouais. Alors pour les concours 400 abonnés, ça dépend ce que vous voulez. Après, ça dépend si vous voulez que je fasse, par exemple, l'open lobby. Mais bon, je crois que les abonnés me voient assez sur Skype. Fait, je crois, ils jouent même pratiquement tous avec moi. Sauf que j'ai pas trop le temps. Bon, c'est vrai qu'à ce moment, j'ai pas trop le temps. Je vous l'avoue. J'ai pas mal de trucs à faire. Mais après, il y aura pas de problème. Je pourrais faire autant de trucs que vous voulez. Après, vous allez me dire, mais quand? Ben, je sais pas. Je vous le dis, je sais pas. C'est vraiment spécial. C'est vraiment dur à gérer une chaîne YouTube. Vous devez pas savoir à quoi vous avez affaire. Quand vous vous abonnez, ok, vous savez ce qu'il faut faire. Mais quand vous faites une chaîne YouTube et que vous voulez faire des vidéos, je vous dis, le plus dur à savoir, qu'est-ce qui peut plaire aux abonnés? Qu'est-ce qui peut plaire? Et ça, c'est le problème prioritaire des youtubeurs. Et moi, c'est mon problème, on va dire, que j'essaye de régler en ce moment, savoir qu'est-ce que je pourrais vous préparer. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas trop de vidéos. Mais j'ai repris le gaming, j'ai essayé de faire tout mon maximum. Après, je vous avoue que je ne sais toujours pas quoi vous présenter de bien. Bon, après, j'espère que vous aimez mes vidéos, que ça soit... De quoi? De quoi? Ah, qu'est-ce que c'est magnifique ça. Je suis mort à quelques... Bon, ce qu'on va faire... Bon, je sais, je vous ai dit du zombie en live. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, on va faire un peu aussi de... Je passe de solo parce que je suis pas trop fort. Ouais, du multi, allez, on va aller à multi, sauf que j'ai rien débloqué. Je sais pas quoi faire. Là, on va pas refaire une partie parce que les zombies, ça, j'aime bien, mais au bout d'un moment, voilà. Alors, mes abonnés, proposez-moi tout ce que vous voulez, que ça soit open lobby, concours, je sais pas, faire un truc, pas un open lobby dehors et tout ça, parce que moi je n'ai pas vraiment la capacité d'aller, par exemple, à Paris et tout ça, parce que moi je suis au sud, donc la majorité de mes abonnés, je présume, qui sont vers le nord ou en Belgique et tout ça. Donc, je me concentrerai plutôt sur des concours. Si vous avez peut-être un truc pour faire une spéciale 400 abonnés, je sais pas, un truc, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Dites-moi qu'est-ce qui pourrait intéresser vos ardeurs. Mais pour l'instant, moi, je ne sais pas quoi faire. Pour vous dire même, j'ai mes abonnés fait mes 400 abonnés depuis pas très longtemps. Depuis même pas une heure. Alors là, je cherche dans ma tête qu'est-ce qui pourrait vous amener à vous intéresser, quoi. Parce que les concours, c'est bien beau, mais après, à part des logos, la majorité de mes abonnés, à mon avis, ne disposent pas de HDPVR et tout ça, de trucs. Du coup, ils ne peuvent pas enregistrer, donc pour les vidéos, c'est raté. Ah, si vous avez un PC, vous pouvez faire des vidéos avec Fraps. Oui, Fraps. Bon, j'espère que vous connaissez au moins, parce que ça m'est déjà arrivé que des potes ne connaissent pas Fraps, des pauvres. Ouais, parce que ceux qui connaissent pas Fraps, je me demande de quoi ils sont sur YouTube, quoi. Enfin, sur PC, hein, je parle. Après, dites-moi aussi les trucs que vous voulez que je dispose dans mes vidéos, parce que moi, je peux faire n'importe quoi pour mes abonnés. Je peux faire n'importe quoi, à part, bien sûr, les trucs un peu fifou que il y a certains qui vont s'apprêter à me dire. Mais non, 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 désolé, tout ça, c'est pas pour moi. Allez voir plutôt, je sais pas, des stripteaseuses ou des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Désolé. Bon, c'est vrai, j'ai toujours été aussi un gars qui a toujours aimé rigoler. Ça, je vous l'avoue. Quelqu'un qui a toujours aimé les abonnés.
Bon, c'est vrai, là, je vous présente pas vraiment du gameplay de qualité, mais pour vous dire, le gameplay de qualité, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est rien. C'est normalement, YouTube, c'est une plateforme pour écouter de la musique, rigoler, surtout l'ami, quoi. Ça sert à rien de se prendre la tête. Je vous le dis clair et net, ça ne sert à rien. Même si vous devez passer sur une chaîne communautaire, de toute façon, un jour vous les aurez, ces abonnés. Que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou même pas, il vous suffit juste d'une bonne vidéo. Et cette bonne vidéo vous rapporte pas mal d'abonnés. Bon, quelle vidéo m'a fait le buzz? Ben, je vais vous le dire directement. C'est la vidéo des filles que j'avais fait, un peu le débat des filles. Ça m'a rapporté à peu près 16 abonnés. Bon, c'est vrai, ça m'a fait un peu de buzz. Mais je vous dis, je suis loin d'être Casanova. Hein, je vous le dis, c'est clair et net, quoi. Après, j'espère un jour arriver à mes 1000 abonnés. Parce que pour l'instant, si. Ça me trotte dans la tête, ces 1000 abonnés. Je voudrais trop les avoir. Parce que la majorité de mes amis, quand ils sont arrivés à 1000 abonnés, ils sont arrivés directement à 2000 abonnés. Et après, moi, on va dire, la chose où je voudrais arriver avant que je sois majeur, un truc comme ça, c'est arriver à mes 5 000 abonnés, oui, mais 5 000 abonnés, vous savez, c'est le stade que pratiquement tout le monde rêve d'aller. Bon, les 10 000 abonnés, bien sûr, je voudrais les avoir, mais c'est quand même difficile déjà d'avoir 100 abonnés. Alors, vous devez vous dire que 5 000 abonnés, ça doit être le stade de France rempli pendant un match de foot. Vous devez vous rendre compte ce que ça fait, mais. Moi, je trouve que ça fait beaucoup et je voudrais avoir on va dire, ce public. Au moins, je pourrais avoir plus de commentaires. Bon, c'est sûr que là, je ne me plains pas des commentaires. Les abonnés sont très actifs sur les commentaires. J'espère que sur cette vidéo, vous allez aussi en parler de ma vidéo. J'espère que vous allez bien l'aimer. Dites-moi, dites-moi, dites. Ouais, bon, j'ai la voix un peu aiguë là parce que. Bah voilà, je sais pas, je l'ai bouché et ça me fait des ressorts et surtout que j'arrête pas de tousser depuis certains temps. Alors ça me casse la voix, quoi. Alors moi, ma chaîne, on va dire que je l'ai toujours appréciée. J'espère que vous l'appréciez. Bon, c'est vrai que je fais pas vraiment de trucs spéciaux parce que pour l'instant je n'ai pas vraiment de projet dans ma tête. Pour l'instant, le seul truc qui me, on va dire, me pose problème, c'est savoir qu'est-ce qui va arriver de ma chaîne si je ne trouve pas de projet dans les temps à venir. Et ça, c'est un gros problème parce que le problème, c'est que si un jour j'intéresse plus mes abonnés, qu'est-ce que je vais faire de ma chaîne puisque. Mes abonnés vont pas rester sur ma chaîne et qu'ils s'ennuient, quoi. Et lui, c'est vrai tueur à gage, quoi. Bah après, comme je vous ai dit, si vous, enfin, votre chaîne les intéresse pas, les abonnés, ils vont s'ennuyer et soit se désabonner ou rester inactif. Et ça, l'inactivité, je veux pas l'avoir sur ma chaîne. C'est un truc que je déteste. Limite, désabonnez-vous. Je vous le dis direct. Ça sert à rien que vous soyez inactif. Parce que l'inactivité, personnellement, j'allais beaucoup sur ma chaîne. Je dois l'avoir ça, c'est cadres. Mais bon, je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Tant que j'ai mes abonnés et mes vues. Parce que les vues, vous dites, mais c'est pour le pognon. Ah, pas du tout, pas du tout. Les vues. Je vous racontais, c'est que si vous faites pas vos vues, ça sert à quoi de rester sur YouTube? Moi, personnellement, j'y resterai, même si mes abonnés tous me disent pars et tout ça, parce que on va dire ma devise c'est toujours le jamais baisser les bras. Et ça, beaucoup de youtubeurs n'y passent pas cette devise. C'est pas vraiment une devise, quoi. Il faut jamais. Tiens, jamais et jamais baisser les bras. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Bon, c'est vrai que il y a des fois, il y en a certains qui vont dire baisser les bras vite fait. Mais moi, je les baisse pas comme ça. J'essaye d'aller de l'avant.
Si mes abonnés n'aiment pas quelque chose, je l'arrête. Et j'essaye de faire mieux. Voilà. Et ça, c'est sûr que tous les youtubeurs ne le font pas. Mais moi, j'essaye de le faire. J'essaye parce que tout ne peut pas plaire aux abonnés. Surtout pas à tous les abonnés. Parce que tous les abonnés sont différents. Les goûts ne sont pas pareils. Après, oui, c'est sûr que tout le temps. Avoir toujours les mêmes choses, je vous dis. Et Call of Duty, ça me saoule moi-même. Enfin, on va dire que ça me saoulait. Là, j'y suis retourné. Je trouve que c'est quand même pas mal. Mais je vous avoue que pour tous mes abonnés, je suis vraiment désolé que je puisse pas faire d'autres jeux. Enfin, je vous dirai tous les jeux que j'ai. Mais le problème, c'est que sur PC, je peux pas filmer. Parce que frappe ce bug sur mon ordinateur. Après, les jeux sur PS3 sont très réduits. Et je sais pas vraiment quoi vous présenter de plus que du Call of Duty. Far Cry 3, je l'ai pas trop aimé le jeu. Je m'attendais à mieux, mais bon, remarque qu'il est pas mal, mais je l'aime pas trop. C'est pas trop mon genre de jeu. Après, j'ai Battlefield 3 qui m'intéresse toujours autant, mais après, allez savoir si les abonnés ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si le Battlefield pourrait vous plaire sur ma chaîne. Parce que à chaque fois que je faisais du Battlefield 3, j'avais que des mauvais ressortis. J'avais pas de vues, voilà. Et ça veut dire que peut-être le Battlefield 3 ne vous intéresse pas autant que le Call of Duty. Pourtant, le Call of Duty, je sais pas, la réputation elle est très réduite là aussi, mais bon. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que lui il est depuis là, et en plus il est qu'avec la FAMAS, je comprends pas qu'il puisse me tuer aussi facilement. Ouais, bon, c'est pas grave. Après, mais, de toute façon, il y a tout qui peut être proposé sur ma chaîne. Dites-moi à peu près ce qui vous ferait plaisir. Peut-être pas un jeu spécialité ou quelque chose comme ça. Peut-être ce qui peut vous intéresser. C'est n'importe quelle vidéo, tant qu'elle est intéressante. Et un minimum de commentary. Bon, ça, vous allez le trouver sur ma chaîne, je vous le dis. Mais après, un truc de spécial, je sais pas. Marin, je suis pas trop. Enfin, je suis fou, ça c'est sûr. Mais Mara, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vous intéresser de mon côté, Mara, parce que j'ai pas trop. Après, tout ce qui est pour les débats, etc., ça c'est pas trop mon genre. Attends, là j'ai pas le temps. Après, voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, tu m'as fait rater le Quantary. Bon, désolé, je vais continuer la vidéo quand même. Mais voilà, c'est très dur d'être youtubeur aussi. Comme vous voyez, il y a ma grand-mère qui est rentrée dans la chambre. Je lui ai dit non, ne pas parler. Et elle est rentrée, et elle a parlé. Bon, c'est sûr que elle comprend peut-être pas ce que c'est YouTube. Mais si elle comprendrait un tout petit peu, je crois que elle se tairait plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, alors qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Je dis tellement de trucs que j'aime perdre mes pinceaux. Bon, de toute façon, YouTube, comme je vous ai dit, c'est un plaisir seulement. Le jour où quelqu'un me dira c'est pour l'argent, ben, je lui dirai. Enfin, non, je lui dirai rien. Je rigolerai à son nez. Parce que pour moi, l'argent ne compte pas du tout. Surtout pour YouTube, quoi. Moi, même désolé, moi, l'argent, ça, c'est pas trop mon bonheur. C'est sûr que je pourrais faire plus de trucs sur ma chaîne si j'avais plus d'argent, mais vu qu'est-ce que vous gagnez sur YouTube avec l'argent, je vous dis, vous allez être très très loin de faire votre fortune, quoi. Vous allez vous faire quoi? 2-3 euros? Ouais, après c'est sûr que genre Monsieur le V12 il se gagne pas mal d'argent. Mais vu que vous voyez ces vidéos, vous le voyez bien que c'est pas pour l'argent. Vous voyez que c'est pour son plaisir, surtout pour les abonnés. Après, c'est sûr qu'il a le droit quand même de se rappeler quand même des plaisirs à son loisir. Parce que il fait que faire ça. Et ressentez ce que ça fait si vous prenez pas de plaisir sur votre propre loisir comme YouTube et que vous pouvez gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez garder l'argent et faire quelques concours pour vos abonnés et que la moitié des abonnés ne le rapporteront pas. Non. Il vaut mieux faire un truc comme Monsieur le V12, aller par exemple faire du ski et tout ça, ou des trucs comme ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est exactement bien parce que, au moins, des fois, si vous allez par exemple au ski et tout ça, vous pouvez peut-être faire des rencontres abonnés qui pourront faire plaisir à la majorité des abonnés. Parce que je sais moi-même, si je rencontre Monsieur le V12 à l'IRL, ça me fera très plaisir. Et ça doit être la majorité de mes abonnés et autres, quoi. Puis voilà. Bon, c'est vrai que cette vidéo est normalement faite pour les spéciales 400 abonnés, mais après, moi, je suis un pipoteur, je sais plus comment on dit. Enfin, je suis un peu fatigué à ce moment, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça vous dérange pas plus que ça, je le crois. Et je suis quand même un positif, ça c'est bien. Par contre, il faudrait que j'arrête la vidéo après cette petite partie. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez. À part quelques petits trucs. Voilà. Vous en passez des petits commentaires un peu inintéressants. Et même très, on va dire, choquants. Voilà. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Débattez de tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis surtout, amusez-vous. Et ne baissez jamais les bras sur votre chaîne YouTube, que vous soyez YouTubeur. Ne baissez jamais les bras pour quelque chose, un loisir, un plaisir ou autre. Voilà. Bon, allez, à la prochaine tout le monde pour une vidéo de je ne sais pas quoi. C'est à vous de choisir ce que je fais pour mes 400 abonnés. Voilà. Au revoir tout le monde.